La Cravate Solidaire, c'est une association qui se situe en bout de chaîne de l'insertion, où l'objectif, c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi à travers le don d'une tenue professionnelle et la transmission des codes verbaux et non-verbaux à connaître en entretien d'embauche. Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du marketing et j'ai tout de suite pensé à Cravate Solidaire. L'idée de la Cravate Solidaire, c'est avant tout de répondre à une problématique de matériel pour réussir son entretien et arriver en confiance le jour de son entretien d'embauche. Ils arrivent et ils sont très mal à l'aise parce qu'ils se demandent comment ça va se passer, ils sont intimidés et ils repartent la tête haute. On est là pour s'adapter à eux et pour répondre à leurs attentes. Quand ils arrivent devant nous, ils sont quand même très angoissés. Eh bien, c'est de pouvoir leur dire qu'ils ont une richesse et que c'est de ça dont on va parler. La fin de l'atelier se finit en général par une photo de portrait parce qu'on croit beaucoup à l'estime de soi par la photographie. En arrivant ici, déboussolé, j'ai eu à écouter, à prendre des notes sur ce qu'il fallait et ne pas faire, comment il fallait agencer mon CV. Et je ressors avec des beaux vêtements. Ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à décrocher mon entretien concrètement, à vraiment me donner confiance en moi et aujourd'hui je suis épanouie dans ce que je fais. Depuis 2012, ce sont des milliers de candidats qui ont bénéficié des ateliers de la Cravate Solidaire dans toute la France. Et selon nous, nos statistiques, 70% de nos candidats réussissent leurs entretiens d'embauche et ont beaucoup plus confiance en eux.